Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. À Ansongo, plus de 7000 personnes ont dû fuir leur maison pour se réfugier à l'intérieur des agglomérations urbaines à cause de l'insécurité, les pillages, s'y ajoutent les braquages sur l'axe Ansongo et Gao. Le dernier remonte à cette semaine seulement où deux minibus ont été attaqués par des bandits armés. Yehia Ben Salah nous parle de cette situation sécuritaire et de la réaction des autorités militaires. Ansongo, ce nom est menacé. Ce vieux cercle de la République du Mali, qui compte 7 communes avec une population estimée à 132 205 habitants, est composé essentiellement de Sorayes, Tamachèques, Arabes et Peul. Ce cercle est confronté à une insécurité grandissante. Assassinats ciblés, braquages, vol de bétail, enlèvements. Toutes ces activités criminelles sont menées par des bandits armés et des apprentis terroristes. Malgré les efforts des plus hautes autorités, la situation est hors contrôle. Du coup, la résistance est impossible. Les populations abandonnent leurs biens et leurs êtres les plus chers pour sauver leur vie. Le nombre de déplacés est estimé à plus de 7164 personnes. Face à ces phénomènes, les autorités locales interpellent le gouvernement central et ses partenaires à agir au plus vite pour sauver l'existence du cercle d'Ansongo. Du côté des autorités militaires de la région, malgré la menace, on tente de positiver la situation. Selon le colonel-major Toumani Kone, commandant du théâtre est de l'opération Maliko, la menace est réelle, mais tout n'est pas perdu. Raison pour laquelle les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour traquer les bandits et leurs complices, ainsi que les apprentis terroristes qui sévissent dans la zone. Pour ça, il demande l'accompagnement et le soutien des populations et promet également de prendre le dessus sur ces individus sans foi ni loi qui menacent l'unité et la paix dans cette partie du Mali. En attendant un retour d'une situation normale dans le cercle d'Ansongo, les populations vivent la peur au ventre.